J'avais envie de faire connaître mon fils et son sourire en fait qu'il a toujours sur le visage. J'avais envie que les gens se rendent compte que des personnes comme ça ou des enfants à mobilité réduite sont aussi exceptionnels et sont des personnes à part entière. J'avais envie de partager un moment avec lui de 2 semaines. Dans le quotidien, j'ai pas autant de temps à lui consacrer et ça me permettait d'apprendre à le connaître, d'apprendre à vraiment le connaître. Nous sommes donc partis de Ville-Longue de la Salanque, lieu de résidence de mes parents. Lourdes, parce que je pense que c'est empreint d'une très belle énergie et j'avais envie de finir en beauté. Je pense que ça pouvait pas être mieux que Lourdes en tout cas, quoi. On a créé l'association Le Sourire d'Hugo pour faire connaître le handicap et voir montrer à quel point ce sont des petits êtres exceptionnels. Je souhaitais aussi lever des fonds en fait pour des thérapies qui pourraient être utiles pour lui, pour le stimuler. C'est des thérapies qui sont très chères et notamment pas remboursées en France. Donc en fait, Hugo, on va parler de syndrome, c'est le syndrome de Little. À la naissance, en fait, certaines cellules cérébrales ont été privées d'oxygène. Du coup, une partie du cerveau et notamment la motricité, en fait, ont été impactées. Au niveau cognitif, il est très, très présent, très marrant. Il y a vraiment un échange qui est incroyable avec lui.